Bonjour à tous. Alors on va poursuivre nos préparatifs de Noël. On s'est un petit peu excentré d'Ideal Wine. Donc je suis Angélique Delanzin, cofondatrice du site. Et je me suis rendue à proximité de nos bureaux dans un restaurant que j'aime particulièrement, le Saint-Joseph, qui se trouve à la Garenne-Colombes et qui est tenu par Catherine et Benoît Bordier. Bonjour. Qui sont deux personnes absolument formidables, et en cette période de confinement, ils ont décidé de ne pas se laisser abattre et ils ont transformé complètement leur activité pour proposer chaque semaine des menus absolument délicieux. Donc, dans la dernière ligne droite avant Noël, on a décidé de vous faire partager leurs idées, leurs recettes, avec quelques petites indications. Plein d'indications, ouais. Et puis, Catherine, qui se charge de sélectionner les vins ici au Saint-Joseph, a toujours des choix qui nous parlent beaucoup, parce que en fait vous allez voir qu'on a les vins que vous pouvez retrouver ici quand vous venez chercher vos plats en click and collect, ce sont très souvent aussi des domaines avec lesquels on aime beaucoup travailler chez Ideal Wine. Donc pour que vous sachiez, le Saint-Joseph, vous pouvez déjà regarder sur leur site internet les menus et vous pouvez commander du mercredi au samedi. Et Benoît ou son fils vous livreront si vous êtes dans un périmètre suffisamment proche. Ou vous pouvez aussi passer chercher tout un tas de choses délicieuses. Alors on va commencer avec l'apéritif. On commence par l'apéritif. Alors comme vous l'avez bien dit, on fait de la vente à emporter. Effectivement, il a fallu se réinventer. Mais en même temps, c'est une expérience extraordinaire. Et on a voulu surtout maintenir cet esprit de Noël et les propositions de Noël dans notre restaurant. Donc elles sont assez larges, mais tout à fait très simples. Noël, ce n'est pas non plus n'importe quoi, on ne part pas dans des choses abracadabrantesques. Et notamment pour l'apéritif, on a préparé, entre autres, alors on a des petits sablés parmesan. Hein. Je sais que Julien aime beaucoup les parmesans. Hein. Votre collègue, il m'en a parlé l'autre jour, petits sablés parmesan. Ils sont très dangereux, ils sont totalement addictifs. Ils sont addictifs. En général, le sachet commencé, sachet terminé. Hein. C'est un peu la dadge pour ces sablés. Donc des petits sablés parmesan au sésame. Et on a également, alors voilà ce que je disais, en raisin classique, des gougères au fromage. Magnifique. Qu'on sert tiède en général avec, très bon. Avec un champagne, avec un vin blanc. Justement, dont vous allez nous parler. On a quelques champagnes à vous proposer. Masse. Donc, Bilkar Salmon, un assemblage des trois principaux cépages de champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Très, très bel équilibre. Hein, et un champagne absolument aérien. Oui, franc, sec, mais pas trop, justement, qui vous permet d'apprécier aussi bien sur le parmesan, notamment, qui peut être très, très intéressant. Et puis, alors, une cuvée que on connaît par cœur chez Ideal Wine et qu'on aime particulièrement, c'est le spécial cuvée de Bollinger, hein, donc dominante de Pinot Noir, un très grand champagne déjà presque de gastronomie, oui. Hein, on peut le dire, oui, oui. Très vineux, très parfumé. Justement dense et qui reste très longuement en bouche, voilà, qu'on peut notamment justement apprécier tout au long du repas, même sur une viande, ça peut être très sympathique. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu, parce que vous en avez d'autres, mais bon, deux champagnes déjà qui sont formidables. On peut avoir envie aussi à l'apéritif de commencer par un vin blanc, hein, et Catherine a eu un grand coup de cœur pour ce domaine Bonigal Baudet. Moi, j'ai un très, très grand coup de cœur sur ce domaine Bonigal Baudet. Deux jeunes gens qui n'ont que 4 ou 5 ans d'expérience, en tout cas sur leur propre domaine. Et voilà, on est en Touraine. En Touraine, exactement, sur Claude Beauce, en pur chenin. Voilà, c'est sec, franc et avec une vraie maturité. Enfin, voilà, une très jolie vendange. Voilà. C'est un vin qui a beaucoup d'énergie, je trouve. Ouais, hein. Et qui est un peu à l'image d'ailleurs de Bonigal et Baudet, qui sont des deux personnes. C'est vraiment, ça leur représente bien. Ouais. Donc ça, très belle énergie, avec il y a des sucres qui sont encore très légèrement présents. Donc les becs sucrés apprécieront de démarrer par quelque chose qui est extrêmement doux et qui ensuite peut faire aussi une très très bonne transition avec les entrées qui ont été prévues pour ton repas. Et notamment, oui, alors voilà, on reste toujours dans l'esprit de Noël. C'est un,
un très joli saumon mariné, façon Gravelax. D'ailleurs, vous retrouverez la recette et tout le process pour faire ce saumon hein, qu'on a mis au sel avec un mélange d'épices. Et après qu'on a rincé. Ouais, sel et sucre, justement, pour le sucre atténuer un petit peu le sel. C'est plus agréable en bouche. Et après, on le met à mariner avec des herbes, avec de l'aneth. Voilà, mais tout ça, vous retrouverez la recette dans le blog d'Ideal Wine. C'est l'entrée qu'il faut. Hein, simple, ça permet de bien préparer le repas en douceur pour monter un petit peu crescendo. Et alors, si on n'est pas des chefs multi-étoilés, c'est pas trop compliqué à préparer? Non, c'est pas compliqué, c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. C'est juste respecter le timing de la mise au sel et puis de la marinade, mais voilà, les proportions, mais c'est tout à fait accessible au plus grand nombre, au contraire. D'accord. Alors, il y a d'autres blancs, d'autres accords possibles avec le saumon. Les Châteauneuf-du-Pape blancs, et notamment le domaine Saint-Préfère d'Isabelle Ferrando. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine aime bien mettre en avant les femmes. Les femmes, hein, vigneronnes. Voilà. Le tout au féminin. Voilà. Parce que justement, le vin se féminise et est de plus en plus visible. Et d'autant plus apprécié que juste de souligner qu'un vin est fait par une femme avec justement son approche et sa sensibilité. Moi, je suis très, très, très sensible justement à l'émotion que peut me procurer un vin. Et le Châteauneuf-du-Pape d'Isabelle Ferrando, c'est une très grande émotion, vraiment. Alors, c'est un vin très aromatique. Ouais, très hein. aromatique. Et en même temps, avec beaucoup de... C'est un peu à l'image d'Isabelle Ferrando, oui. hein, quelqu'un de beaucoup de droiture et d'élégance. Des convictions, voilà, dans ce qu'elle propose. Oui. Donc, un joli accord. Oui, un joli accord. Alors, on le disait juste à l'instant, hein, c'est de monter crescendo. Donc, avec ce vin qui est un petit peu plus complexe que le précédent, voilà. Là, on passe à des choses un peu plus gourmandes. Hein. Les produits de fête. Voilà, des Saint-Jacques. Alors, c'est Saint-Jacques, c'est une recette qui me tient à cœur, alors, que j'ai faite avec Bruno Doucet, qui est une recette qui est un bon copain, Bruno Doucet de la Régalade. Mmh. C'est la seule recette que je n'ai jamais changée, tellement elle est bonne, efficace, évidente. C'est d'une simplicité redoutable, mais c'est très très gourmand. Je crois que vous l'avez goûté, notamment régulièrement. Hein, régulièrement. je la vérifie régulièrement. Ouais, donc c'est pour ça que voilà, c'est une recette qui me tient vraiment à cœur, que je mets régulièrement. Des Saint-Jacques marinés, tout simple. Alors il faut une extrême fraîcheur des Saint-Jacques parce qu'on les sert crus. Ils sont marinés avec une petite vinaigrette au citron vert, un petit peu de pesto, oui. hein, qui va donner le côté herbacé à l'ensemble. Copeaux de parmesan pour donner un petit peu de sel. Une petite herbe qui a un petit goût de basilic et des petits croutons. Hein, donc c'est une entrée où on va jouer sur et les saveurs et les textures. Voilà, donc ça va être un jeu intéressant avec le vin d'Isabelle Ferrando. Mm-hmm. Et là, en général, on est vraiment dans le repas de Noël. Là. Ça fonctionne bien. Ouais. Je précise d'ailleurs que Benoît est le spécialiste mondial du Carpaccio et avec un livre d'ailleurs. Oui, tout à fait, hein, tout à fait, qui est là. On pourra montrer peut-être celui-là, voilà. Alors, tout à fait, merci beaucoup de le préciser d'ailleurs. Donc avec des recettes magnifiques, parce que la présentation des assiettes ici est toujours superbe. Donc voilà, donc là on a ces coquilles Saint-Jacques crues, et effectivement on a une explosion d'arômes en fait, qui est absolument passionnante en fait avec ce plat. Donc effectivement on peut avoir le Châteauneuf-du-Pape qui lui aussi est très très aromatique. On peut aussi choisir un vin, alors là celui-là aussi quand on parle d'énergie, ouais. il en a beaucoup, hein, beaucoup de une très belle droiture tenue, aussi. Ouais, hein, ouais. Et donc ça peut, on a le côté très ample de tous les arômes ouais. de la coquille Saint-Jacques et le côté compenser très avec dense, ouais. cette magnifique cuvée, donc Pouilly-Vinzelle du domaine de la Souffrandière. Donc ça c'est aussi un moyen d'aller vers la Bourgogne avec des chardonnays qui restent encore à peu près abordables par rapport au prix de certains grands crus de la Côte de Beaune. On sent vraiment le terroir, une forme d'acidité, mais aussi la terre que procure ce domaine. Enfin voilà, il y a une forme d'aridité aussi qu'on retrouve dans ce vin que j'aime beaucoup. Très très belle cuvée, voilà. Donc, il va falloir passer au plat. On
va peut-être passer au plat. Mais et d'ailleurs, on peut. Là, on a parlé donc de vin blanc. On va maintenant passer donc au plat consacré, hein, les volailles de fête, pour lesquelles on peut avoir soit des blancs, soit des rouges. Hein. Oui, mais on en a un dernier à vous présenter. C'est toujours intéressant d'ailleurs, de faire l'expérience, pour ceux qui le veulent, c'est de doubler les vins sur le plat, notamment sur la volaille, c'est de faire un petit match entre commencer par le vin blanc, bien entendu, consommer un petit peu le plat, et puis après passer sur le vin rouge et de voir un petit peu les différences de teint, de notes aromatiques qui vont et avec le vin et avec le plat. C'est une expérience très très intéressante. Alors, voyons cette volaille. Alors, la volaille. Donc, c'est pareil, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'incontournable volaille des fêtes de Noël, hein, que ce soit aussi bien les fêtes donc, de Noël et de Nouvel An. Non, on est resté classique, hein, comme le reste, d'ailleurs, un chapon farci avec une belle farce un peu riche, hein. Il faut de la richesse, notamment aussi pour accompagner les vins, qu'on a farci aux châtaignes avec des herbes, notamment de l'estragon, qui va donner un petit peu de peps à la recette, un jus bien corsé, une purée de céleri, voilà, toujours quelque chose de simple, de très gourmand, et des petites carottes, une petite cébette pour donner un petit peu de peps et de croquant à la recette. La découpe est absolument parfaite. On a un arrondi. Un arrondi, oui, ça a été travaillé. C'était une volaille bien ronde. C'était une volaille bien ronde. Ça ne ressemble jamais à ça, hein, le chapon. Mais si, vous allez voir. D'accord. Alors, avec ça, on a dit un blanc. Alors là, encore, c'est très beau, encore une femme, même si elle n'est pas toute seule. Hein, ouais. Aurore de Villard au château de Chamiret, qui est une personne merveilleuse. Ouais, hein, très belle personne. Et avec une parcelle qui est la parcelle de la Mission, vraiment une des parcelles les plus qualitatives de cette appellation Mercurey. Et un vin qui a une certaine puissance. Hein, ouais, tout en ayant un peu de rondeur. Voilà, c'est vraiment un joli Mercurey, vraiment très. Et on sent le côté féminin quand même. C'est très important pour nous. Très important. Non, c'est très important, mais c'est vrai. Il y a c'est très important. Il n'y a pas que des femmes, encore une fois, je répète, au château de Chamiret. Mais c'est vrai que Aurore est très emblématique de son domaine familial et ce vin. C'est vrai que ce vin a beaucoup de... D'ailleurs, encore une fois, hein, il incarne la personne aussi. Ouais. Hein. Il a beaucoup de présence. Ouais, beaucoup d'élégance. Et c'est un très beau vin de fête. Mmh. Hein. Oui, tout à fait dans l'esprit. Ouais, hein. Voilà. Donc ça fonctionnera très bien avec notre chapon farci. Mais on peut aussi, évidemment, en profiter. Hein, c'est la période qui veut ça, pour sortir deux grandes bouteilles. Donc, on a... ici, on n'a pas beaucoup de Bordeaux. Alors, on n'est pas... on en parlera d'autres occasions de Bordeaux. Le restaurant s'appelle le Saint-Joseph. Alors, oui, c'était évidemment, un petit peu difficile. Voilà. Alors, on a... justement, si on part dans la côte du, dans la vallée du Rhône... au nord de la vallée du Rhône, ce cornas du domaine Clap, qui a une particularité avec la finesse de ce domaine, c'est que le vin peut s'apprécier déjà assez jeune. Mmh. Hein. Ce n'est pas un vin qui a besoin d'attendre des années pour être apprécié à table, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les vins de la vallée du Rhône. Mmh. Mais celui-ci, donc c'est un vin que vous aimez particulièrement. Oui. On le décline sur quelques années. Mmh. Et la particularité, c'est qu'il faut l'ouvrir, il a une amplitude, mais on peut l'apprécier, on va dire, des heures et des heures. Voilà, il a une amplitude énorme. Il est majestueux. Voilà, c'est un vin majestueux. Oui, puis c'est un vin qui va bien pour ce genre de repas. On est on est en famille, on a envie de se poser. Et puis voilà, c'est typiquement le vin où tout d'un coup, le temps un peu s'arrête. Voilà, on se pose et on apprécie le repas, le moment. Mmh. Ça, c'est génial. On passe du temps, on y revient. Oui, non, mais c'est ça, voilà, c'est le but. Là, le temps s'arrête, on est ailleurs. Et ça, c'est ça qui est beau dans ce genre de flacon. C'est qu'on est on passe dans un autre univers, on a une gorgée. Ça, c'est exceptionnel. Mmh. Formidable. Et puis alors, on a aussi, c'est le moment aussi de sortir les belles bouteilles, les beaux pinots noirs de Bourgogne. Donc là, on a ici un Gevrey Chambertin du domaine Armand Geoffroy. On en parlait avec Catherine, de la finesse de ce pinot. Hein, c'est de la dentelle en fait. Hein. Ah oui, c'est de la dentelle, c'est de l'élégance. Il y a une légère acidité, mais toute maîtrisée. C'est vraiment une forme de souplesse aussi. Voilà, c'est
c'est un petit diamant, voilà, vraiment. Et sur une viande blanche, hein, ouais. Donc on a un très joli accord aussi. On n'a pas, ouais. on a justement un vin qui est très fin, très comme fin. Celui-ci, ouais. Va bien répondre avec la texture et les arômes d'un. Oui, puis même avec la châtaigne. Si vous avez fait un petit jus un peu gras ou qui est un peu réduit, ça ira très bien. Voilà, c'est l'équilibre entre la puissance d'un jus, même de la purée de céleri, et puis comme disait Catherine, la finesse du jus. Qui est dans ce Gevrey-Chambertin. Voilà. Voilà quelques suggestions pour vos plats. Il y a de quoi passer un bon moment, merci. Je pense. Hein. Et puis merci beaucoup à Catherine et Benoît qui vont gentiment nous proposer toutes ces recettes qu'on va pouvoir retrouver sur le blog pour vous accompagner, pour vous donner quelques idées, pour vous souhaiter, pour vous permettre de passer un excellent Noël et puis pour vous souhaiter de très très jolies fêtes de fin d'année. Une année particulière, mais qui ne nous empêche pas à tous de trouver des idées pour que la fin d'année soit la plus belle possible. Oui, puis je crois qu'il y a matière à passer vraiment d'excellentes fêtes, de belles fêtes en famille. Voilà, un peu d'insouciance. Merci beaucoup. Merci à vous, passez de belles fêtes. Vous, au revoir. Bientôt.